m'appelle Sébastien. En 1972, j'avais 6 ans et demi. Ma mère était institutrice dans la même école que moi. C'est pas pour me vanter, mais tout le monde disait qu'elle était la meilleure. On vivait tous ensemble rue Saint-Jules dans la maison de mon grand-père. Avec mon père, ma mère, mon frère et mon grand-père aussi. Même si personne ne le prenait au sérieux, mon père était très intelligent. Je dois être vraiment nul parce que ça fait un moment que je t'ai pas impressionné, moi. Arrête de dire que t'es nul tout le temps, surtout devant les enfants. Tu vois? Je voyais bien qu'elle n'était pas heureuse. Et ça ne pouvait pas continuer comme ça. Bonjour! Nous sommes les nouveaux voisins. Tu t'appelles comment? Moi, c'est Michel. Lui, c'est Philippe. Depuis ce jour, je savais déjà que ce serait lui. Il est pas là, Philippe? Non. Le papy, il se croit à la guerre. Personne n'avait remarqué qu'elle était devenue belle. Ben Philippe, j'attendais que toi. Voilà. On va se marier. Oh, bravo! Je me disais que dans le monde des adultes, tout était encore plus compliqué que je l'avais imaginé. Est-ce que c'est possible de rien voir? Jamais rien?